Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler très en retard des événements de Noël que j'ai pu tester dans les parcs en décembre 2023 et janvier 2024, à savoir Wally Christmas à Wallycator Grand Est et Walibi Winter à Walibi Belgium. J'en profiterai pour expérimenter quelque chose que j'ai envie de développer pour les futurs trip reports et vlogs, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Commençons par Wallygator Grand Est. Le parc a, pour la deuxième année consécutive, ouvert pendant quelques jours en fin d'année afin de proposer un événement de Noël nommé Wally Christmas. A cette occasion, le parc était ouvert moins longtemps, avec moins d'attractions, mais à tarif réduit. Alors évidemment, vu le froid, vous en doutez, c'est pas des petites attractions qui étaient fermées. On n'a pas pu faire l'attraction aquatique logique, ainsi que les deux plus gros coasters du parc, à savoir The Monster et Anaconda. C'est dans le froid glacial et le brouillard que l'on redécouvre la Main Street qui avait été entièrement refaite en début de saison. Ici, elle a été décorée de petites lumières et guirlandes qui créent une atmosphère super sympa. Au bout de l'allée, le Mistral, les chaises volantes donc, est allumé et on est accueilli par un ours trop mignon qui avait franchement l'air de se faire chier, alors on est allé lui faire un petit coucou. Dans l'ensemble, le parc est très mignon. Le Mistral est donc allumé et le carrousel recouvert de décorations. On retrouve pas mal d'autres décors à droite à gauche, dans le parc, rien d'énorme, mais c'est cool d'avoir pensé aux endroits habituellement vides. La zone western est plutôt jolie elle aussi, avec des lumières ainsi qu'un énorme sapin lumineux. Et pareil, c'est léger, mais l'atmosphère est très agréable. La zone fête foraine plus accès monster a été modifiée, empêchant l'accès à l'allée du monster, inutile ici car ce dernier est fermé, et une patinoire a été ajoutée pour l'occasion, on notera la magnifique vidéo depuis le Family Coaster juste à côté. Et bien sûr, d'autres lumières ont été ajoutées aux attractions autour. Le parc était absolument vide, on a pu faire tout ce qu'on voulait, et j'ai surtout profité de Comet, le Vekoma du parc, que j'ai trouvé étonnamment moins violent que d'habitude. En bref, le seul problème de la journée fut le froid glacial qui était difficilement supportable, mais mis à part ça, ça a été très cool malgré les coasters fermés. Vers la fin de la journée, la nuit a commencé à tomber petit à petit, créant une atmosphère féerique et très particulière que j'ai vraiment adoré. Mon téléphone ayant du mal avec les vidéos de nuit, la qualité des images est pas folle. Après cette excellente journée, on est passé par la boutique souvenir qui, en plus d'être décorée pour Noël, possède de plus en plus de merch et ça, on aime. Voilà donc pour ce petit résumé de ma journée à Wallygator Grand Est pour tester l'événement Wally Christmas que j'ai franchement bien aimé. Suite à cela, on a décidé d'aller tester un autre événement de Noël, Walibi Winter, à Walibi Belgium. Les avis étaient très positifs et malgré le froid, Conda était ouvert, ce qui nous a donc poussé à nous y rendre. J'y ai donc été avec mon frère et ce bon vieux Max Enthousiaste, sa chaîne est en description. À peine arrivé devant le parc, on constate que l'entrée a été totalement recouverte de guirlandes et de lumière, chose qu'on apprécie énormément. On commence notre visite par rejoindre notre zone favorite, Exotic World. La zone hawaïenne est peu décorée pour Noël, ce qui peut se comprendre vu l'écart entre les deux thèmes, mais on s'en doutait et ça nous a fait ni chaud ni froid, sachant qu'on était bien trop content de retrouver Tiki Waka, mais surtout Conda. La sous-zone est magnifique, avec de très beaux points de vue sur le coaster, que nous nous sommes empressés d'aller rider. Le froid était là aussi difficilement soutenable, surtout en haut des 50 mètres de la bête et des 113 km/h au travers du vent glacial belge. Malgré ça, bien sûr, Conda est toujours un monstre d'airtime, même au début de journée, et il propose toujours des sensations absolument abusées et difficiles à retrouver autre part. On se rend ensuite dans la nouveauté exclusive à l'événement Walibi Winter, à savoir une énorme patinoire indoor. Maxence et moi, on était terriblement mauvais, on a juste fait un tour en longeant les bords et ça nous a largement suffi. En plus, j'ai failli tomber 50 fois, dont une fois où une personne s'est accrochée à moi pour ne pas tomber, ce qui m'a donc entraîné dans sa chute, avant qu'on soit sauvé in extremis par mon frère qui arrivait tel Batman et qui était lui bien trop à l'aise sur ses patins. Une fois sorti, j'arrivais pas à enlever mes patins, puis j'ai perdu le beeper censé indiquer la fin du temps de patinoire, enfin bref, que des galères. Après ça, on a continué à profiter de la journée en faisant toutes nos attractions préférées, puis on a testé la Melody Road, ayant reçu des décorations exclusives pour Noël. Mais rien de bien fou, du coup, on a passé le tour à prendre des vidéos de loup-garou dans son délicieux lac de vase. Suite à cela, on a rejoint la zone western pour tester la nouvelle attraction de la saison, Silverton. Il s'agit d'un sidecar, une attraction familiale, qui remplace les autotamponneuses Tuff Tuff Club, attraction que j'adorais. C'est plutôt fun, le véhicule est interactif, on peut donc décider de se balancer au nom ainsi qu'utiliser des sons ou de la fumée, et l'attraction est très esthétique de dehors. J'ai franchement bien aimé, c'est juste dommage que l'attraction ait remplacé Tuff Tuff. Au fur et à mesure qu'on avançait dans la zone western, la nuit commençait à tomber, dévoilant de plus en plus ses décorations et éclairages. De même pour la zone enfant de l'autre côté du lac avec cette très jolie vue depuis l'aire de jeu. Une fois la nuit vraiment tombée, on a décidé de voir ce que donnait Loup-Garou en fin de journée. Et comme vous vous en doutez, ce vieux wooden de nuit fut une purge terrible. Perso, c'était tellement plus violent que prévu que j'ai trouvé ce tour hilarant, mais c'était vraiment l'un des tours les plus violents que j'ai eu sur un coaster, donc bon, pas fou. Enfin, on repasse devant la Dalton Terror qui s'est transformée en sapin de Noël géant pour aller faire la dernière attraction de la journée. Et pour terminer, avant de quitter le parc, quoi de mieux que d'aller faire mon premier tour de nuit sur un très gros coaster avec Conda. Et comme prévu, le monstre d'Intamin était plus chaud que jamais, et le tour était surpuissant et d'autant plus imprévisible dans le noir quasi total. Voilà donc ce qui conclut cette journée à Walibi Belgium à l'occasion de Walibi Winter, et c'est aussi ce qui va conclure cette vidéo.
Les deux événements de Noël étaient franchement cool. J'ai préféré celui de Walibi Belgium rien que pour le parc que j'adore, mais aussi pour les décorations qui étaient plus réussites, bien que j'ai conscience que le budget est très différent, et le fait d'avoir pu faire des coasters de nuit, ce que je voulais faire depuis longtemps. Mais les efforts mis en place par Wildgator montrent que le parc repart sur des bons rails, dans une très bonne direction, et ça me fait très plaisir. Voilà pour cette vidéo de Noël qui sort en mai, toujours aussi ponctuelle moi. J'espère qu'elle vous a plu, j'ai essayé de synthétiser au maximum les deux journées pour faire une vidéo pas longue mais complète. Si vous l'avez aimé, likez, abonnez-vous, donnez-moi vos avis et suggestions en commentaire, et ciao !